Salut mes petites kikous, j'espère que vous allez bien, c'est Ruru. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Les gars, on va se retrouver sur un deuxième épisode. Si vous kiffez des petites séries où genre, vous savez, je maîtrise un deck, je le joue grave en live. Si vous êtes chaud, des fois on fait 3-4 vidéos, même sur le même deck. Si vous kiffez ce genre d'épisode, dites-moi les gars. Et comme vous savez, c'est le dernier jour de saison. Et alors, je passe cette vidéo, les gars. Bah, en fait, moi, je suis à 3200 elo. Hein. Je suis clairement à 3K2. Donc, je sais pas si on pourra taper les... Il y a moins qu'on puisse taper les 4K. Les gars, je vais vous faire un petit 12 parce que je pourrais pas faire le fin de saison en vidéo ou en live. Donc, on va se faire un petit 12 victoire, les refs. J'espère en tout cas que vous allez kiffer. Avec mon petit deck fétiche, les frérots. Alors, je sais plus ce que j'avais comme dernier deck. C'était peut-être le deck, voilà, c'était le géant gobelin. Et là, du coup, on est parti. On va aller coller ça directement. Et là, les refs, bah écoutez, on va essayer de faire une 12. Avec ces decks, on va rappeler, on avait fait l'OSD avec les géants gobelins, on avait tout défoncé. J'ai fait 9-0 dans l'OSD. Mais là, les gars, on va se chauffer. Je vais vous montrer la puissance de mon deck. Comment le jouer, il est incroyable. C'est les meilleurs decks du monde. J'espère taper une bonne saison. Je pourrai un peu jouer dans mon coin et tout. Et si j'ai des bonnes games, je vous ferai une vidéo. Sur ma fin de saison qui arrivera mardi. Qui arrivera mardi, il y aura une petite vidéo. Donc tout dépend. Si ma fin de saison n'est pas trop catastrophique, on devrait pouvoir faire des trucs sympas. Ok, on va voir des kids où joue. Putain, ça a l'air d'être mon deck ça. Oh, attendez les gars, si c'est mon deck, je rigole. Si c'est mon deck. Non, mini PK. On va mettre le chevalier ici. Alors là, l'idée, regardez, hein. En fait, l'idée, c'est que c'est de kite ça. Voilà, et on prend zéro coup. Vous avez vu comment jouer ou pas? Tu prends zéro coup en faisant ce move. C'est le meilleur move à faire. Il faut pas que l'esprit touche le mini PK, les gars, sinon bah, ça connecte pas. Donc ça, c'est le meilleur move à faire. Il était pas forcément simple, mais c'est un très bon move. Vous prenez zéro coup, la game continue. Je vais sûrement mettre Jean Gobelin. Ça doit être pas la lumière la plus aiguisée du tiroir, celui-là. Alors, 6000 sorts de rage, on a le combo gagnant, je crois. Ok. On va peut-être mettre le mineur là-dessus. Avec l'esprit de feu, ça peut être pas mal. Est-ce qu'il va mettre le mini PK? Ouais. Mais frérot, il y a l'esprit de feu derrière. Alors là, je sais plus si... je me rappelle plus si Tornade, ça défend avec les 3 tours. Bon, les gars, Zappy, quand vous... Alors, le match-up est pas simple, mais quand vous maîtrisez, c'est easy. Mais attention, le x3 peut vraiment... moi, le x3 me fait souvent mal contre ce genre de deck. Voilà, c'était un petit peu l'astuce du jour. Alors, par contre, je sais pas pourquoi c'est à cause, hein. Là, on va pas se casser la tête, hein, petite tornade. Pour défendre. Le chevalier, n'hésitez pas, les gars, dans mon deck, c'est pour ceux qui veulent le tester. Utilisez la tornade, les frères. Ok, je vois beaucoup de gens qui utilisent très peu la tornade dans le deck. N'hésitez pas à vous en servir, les frères. Elle est pas là pour décorer, genre. Ok, petit poison. On va gratter la tour. Alors, on va poser la première MG. Pareil, les 6 classes de MG, c'est carré, ça aussi. Là, on peut peut-être aller chercher dans la tour, c'est peut-être un peu tout light. Ok, là, tornade, encore une fois, les gars. N'hésitez pas, regardez. On a tout ramené. N'hésitez pas à faire ce genre de play, les gars, parce que vraiment, ça vous sauve un peu la life. Et là, regardez, ça va défendre tout seul. Easy. Ça va défendre tout seul. On va repartir sur un esprit, peut-être il part sur Jean Gobs. Ok, alors je sais pas s'il il met un coup là-dessus ou pas, lui. Non, même pas. Là, on peut poisons. Avec l'électro spirit. Alors ça, c'était mal joué, l'esprit de feu, je crois. Après, c'est de aller chercher ça. On peut repoison def, attirer le mini-pex. On peut toujours pas sort de rage. Et ça passe crème. On peut même mettre le mineur ici. Avec l'esprit de feu. Et vous avez comment vous maîtrisez, les gars? C'est la maîtrise! La maîtrise! Pourquoi il a zappé, frère? Le mec, il zappe, tu sais pas pourquoi. Alors, attention, hein. Je vais mettre le cheval ici parce qu'on sait jamais s'il push. Je connais les decks par cœur, frère. Ça, c'est juste du par cœur, les frères. Voilà, il va sûrement mettre le sort de rage, blablabla. Tu connais la chanson. Esprit de feu, et on attire tout, hein. J'adore ce deck, putain. Incroyable, dès qu'il va, les gars, je vous le dis. Vas-y, mets un zap. Oh, pas de zap là-dessus. Le poison qui va partir, x3 qui va bientôt arriver. Donc là, c'est quasi win. Hein. Enfin, c'est juste win en fait. Là, on va mettre Jean Gobelin devant. Vous pouvez même faire un Protix. Regardez. Hein. Oh, je l'ai raté.
Attendez que je fasse pas de la merde quand même. Ok, let's go. T'as même en faillant, je défends, frère. Non. C'est scandaleux. Les gars, même en fail, je défends, frère, je suis mort. On va pas mettre le poison. Ou si on aurait poison tornade, je crois que ça finit. Poison tornade, ça finit. Et c'est le GG. Comment jurer un Dexapi, les gars. Easy win. Les gars, on a joué juste trop bien la game. Je pense que vous allez kiffer ce genre de série. Dès que j'ai un deck plus vite, là. On se fait plein de séries, les gars. Un peu comme ils font les youtubeurs Yann, les mecs chauds, là. Riley, Yann, les mecs comme ça, là. Si vous êtes chaud, on se fait des petites séries avec un deck que j'ai maîtrisé, on se refait des sessions. Petite session, machin, là je peux faire une 12. Une 12 en super défi, 3 petites games. À part si je fais des défaites, hein. Peut-être ça part sur 4. On n'est pas à l'abri d'une défaite, les gars. Tout peut arriver. Alors là, on va cycler direct le chevalier. J'aime bien mettre aussi l'esprit de feu, ça dépend des choix. Tu peux mettre esprit ou le chevalier en first. Là, je me dis, go chevalier en vrai, on va pas se prendre la tête. Ah, ok, alors s'il défend pas en général, c'est un deck lourd. Hein. S'il défend pas, c'est que c'est un deck lourd. Ça, c'est à savoir. Donc là, le poison, hein. Tous les jours, je crois que c'est Molos. Molos, c'est pareil, c'est ultra gérable, les gars. On va d'abord mettre l'Electro Spirit, le mineur. Allez, mettons. Alors, non, toujours pas. Ok, il met le bûcheron. Je vais partir en chevalier ici. Alors, n'ayez pas peur de faire des moves comme ça. Vous avez toujours le canon, vous recyclez très vite, d'accord. N'ayez pas peur, les frères. Je crois que je l'ai raté. Ouais, je l'ai raté. Mais n'ayez pas peur, les gars, de d'y aller, quoi. Ok, bon, faites pas les mêmes moves que moi. En fait, je voulais esquiver un coup, mais c'est vrai que ça marche pas. Et des fois, tu fais des petits fails comme ça, pas ouf. Voilà, on va poison là-dessus. Ok, ça va aller chercher la peupon. Putain, dommage, la tour du roi, elle m'aurait trop aidé. Les gars, on a troll, hein. Les gars, le troll, vous avez vu, hey, les gars. Même Ruru, il troll, les gars. Le Ruru, il troll. Alors, je sais pas, j'espère qu'il a pas de fou. Normalement, non. Ah non, quand il y a pompe, c'est pas de sort. Après, ça m'est déjà arrivé un jour où le mec, il jouait. Il y avait une pompe avec foot, genre. Mais je crois que là, j'étais tombé sur un zinzin de l'espace. Alors là, on a juste tornade au mid. Les gars, c'est pas perdu. Oh non, mes frères, j'ai failli tout. Mais oh non, c'est honteux cette vidéo. Mais non, mais mec, c'est honteux. Le mec, c'est honteux. Je suis nul à chier. Je suis complètement nul. Je suis nul à chier. On va pouvoir défendre, j'imagine. C'est pas possible le niveau là. Ah, c'est catastrophique. On a fait une game de zinzin tout à l'heure et là je fais juste bas. Qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Mais me posez même pas la question. Je peux pas vous répondre là. Là c'est, je suis en full troll. Hein. C'est du full troll. Je mérite de la lose. C'est une lose, les amis. Deux tornades fail. Ah, mais on est où, là? Deux tornades fail, quoi. On aura tout vu, hein. Ok, let's go. Ok, le bon canon. Et regardez, hein, ça passe tout seul, les gars. Même en failant, frérot. Le mec doit péter un pont. Ah, je vais me faire encore niquer ou pas, là? Ah, mais putain, là! Let's go! Oh, le chevalier qui va tout def. Non, c'est une blague. Oh, putain. Le réflexe de zinzin. En vrai, je vais mettre une MG, hein. Il va sûrement mettre le dragon électro ou pas, là? Non, ça va. Ah, il est obligé de def, quand même. Hein. Il est obligé de def. Ça, ça meurt. Alors, je sais pas si je fous de là-dessus. Oh là là, c'est le pire move, ça. Oh non, ça c'était le pire move, les gars. Non, mais tout me passe, mais c'est quoi ce move là? Les gars, je crois que c'est il a le même niveau que moi, le mec en face là. Le mec, il a mis vraiment le pire golem. Oh non, le canon fallait qu'il reste en vie. Ouais, let's go. Oh là là, c'est nul. En plus, il a plus ça. Il va pas pré-shot. Ouais, ouais. Bah oui, tu viens de tornade. A ton avis, je vais le mettre où le mineur? Et là, ça gratte. Oh là 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 là. Ok, golem. Enfin, les gars, je jure, la game n'a aucun sens. Normalement, je gagne pas, ça faisait même, je laisse gratter, regardez. Hop. En vrai, là, on peut en profiter. On peut mettre un mineur là-dessus, avec le poise. Vous allez voir que le golem, il va prendre vraiment cher. Le canon là-dessus. Des fois, faut vraiment pas avoir peur. Hein. Genre là, vous pouvez faire genre ça, ça et ça, regardez. Hein. Regardez le move. C'est trop fort. C'est trop fort.
N'ayez pas peur de faire ce genre de move, ça paye. Et là, c'est le GG, hein. C'est le GG, en vrai, en jouant mal, je la win. Donc, après ça, enfin, en jouant mal. En vrai, on a raté des tornades, c'est rien de méchant. C'est pas comme si j'ai mis slick un poison, quoi, tu vois. Mais c'est rien de méchant, les gars. Mais les gars, juste trollez pas. Le bûcheron, tu prends ton coup. Tant pis, tu prends ton petit coup. Moi, j'ai vraiment voulu faire le mec. Attention, les gars, on prend le moins de dégâts possible. Allez, arrête de faire ta resta, là. Go faire les 12. Allez, les gars, on part sur la 12. Les games trouvent rapidement, c'est nagré. Go faire la 12, les gars. J'espère que vous êtes chauds. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous kiffez, les gars, la vidéo. Les gars, on propose du lourd. La kick ça lance. Ok, je vais mettre l'Electro Spirits. On va voir ce qu'il va jouer un peu, le frérot. Putain, c'est recru. Ça, c'est mon frère. Les gars, les decks recrues, avec ce deck, j'aime bien montrer parce que c'est pas simple à battre. C'est vraiment pas simple. Il y a juste deux petits strats à connaître. Mais c'est vraiment dur à battre, quoi. C'est pas easy, free win. Alors, MJ à gauche, pourquoi? Parce qu'il y a les deux apis là. S'il part en recrue, je poison. T'as capté ou pas? Ça, c'est la strat aussi à connaître. Alors, le misclick, c'est pas à connaître. Je sais pas si je t'en aide là-dessus. Non, vrai de vrai, je vais pas tornade. Malgré que j'ai mal joué quand même. Malgré que j'ai assez mal joué. Oh non, j'ai trop forcé là. Oh, c'est la pire game. La pire game. Ok, le chevalier qui m'a un coup. Ok, ça me va. Ça me va! En vrai, ça va. Putain, dommage, j'ai le fail. Faudrait que j'arrive à activer tour de joie. Alors, il y a une strat, je vais vous la dire. Quand IB recrue Evo, vous poison une tour. Enfin, tu poison une tour. Et derrière, tu mets ton... Ah, il est plus... Ah oui, mais il a les épices, merde. Tu poisons une tour et tu mets l'électro spirit. Et vous allez voir le carnage que ça va faire. Alors là, bien sûr, bien défendre le canon, hein. Faut pas qu'il parte en cochon. Ce qui fait que le canon... Voilà, pareil, regardez le canon, on l'a déjà recyclé. N'ayez pas peur de mettre des canons, même si le mec joue des bonnes conditions. Vous avez la tornade pour kite. Vous avez vraiment énormément de trucs pour kite. Le chevalier qui va tanker 2 heures, ça c'est cool. Vous avez énormément de trucs. Vas-y, mets la machine pour voir. Vous avez beaucoup de trucs pour kite. Là, il va pas avoir le réflexe, si. Ok, let's go. Ah, dommage, j'ai voulu tenter un truc, mais c'est pas passé. Bon, en vrai, on va mettre la MG là-dessus. En vrai, les gars, j'avoue, je suis un peu en mode YOLO. Bon, là, poison direct, hein, vous avez compris. Là, vous pouvez mettre le spirit. Je sais pas si ça va toucher. Ouais, let's go ça. Vous avez vu, regardez. L'électro spirit qui carry. Là, vous tornadez, hein. Ok, la défense qui est bonne. À gauche, on s'en fout un peu. Bon, en vrai, faut que j'arrête juste de vivre pour les caméras et on est bon. Ok, il part sur le fût. Avec le poison, alors je sais pas si ça touche. Ok, est-ce qu'il va défendre? Ouais, tu vois, ça force une défense. Ça, c'est plutôt bueno. Je te parle pas de Kinder. Alors, je vais partir sur une MG là-dessus. Là, pareil, la MG, on s'en fout, hein, de la machine. Putain, mais à chaque fois, je rate mes moves, c'est dingue, ça, par contre. Par contre, il est un peu dans la merde, là. Il est un petit peu dans la D, parce que normalement, il m'est recru. Ouais, ça, c'est bien joué. En vrai, on rattrape la game, et là, vous allez voir que ça va jouer à rien du tout. Normalement, il part recréer Evo ou pas, là? Ouais. Ok, let's go, on a bien joué là-dessus. Le fait d'autre cycle et tout, ça paye. Ok, petit mineur. Ok, le poison. Ça c'est bien joué. En vrai, j'ai envie de mettre poison et le mineur. C'est le GG. Let's go! Bon, en vrai, les gars, je troll un peu sur celle-ci. J'ai vraiment troll. Bon, j'essaie de m'amuser un peu.
Et vous avez vu, même en s'amusant, on peut win, mais vraiment mon deck, les gars, il est trop trop fort. 12-0 en vidéo, les gars, est-ce que c'est pas beau ça? Les gars, est-ce que... Les gars, je me crois là, j'ai envie de vous lâcher un maximum de GG, est-ce qu'on se ferait pas un pack opening? 12-0 avec mon deck. Et d'ailleurs, ça part en screenshot. Voilà le petit screen. Alors comme vous savez, maintenant, il y a Clash Royale qui est sorti sur PC, les gars. Moi, je suis sur la version PC maintenant. Je suis sur la version PC. Et les gars, la version PC, elle est masterclass. Elle est masterclass. Les gars, on est parti pour le pack. Petite légendaire, peut-être. Oh, putain, en vrai, ça sert à rien. Faudrait que je fasse un SD sur le petit compte. Au moins, ça me fera des petites cartes en bonus. Alors, de la gargouille, fripon. Est-ce qu'une légendaire, pronostic? Les gars, c'est une légendaire, c'est pronostic. Hein, vous faites dans votre tête. Allez, pronostic épique. On le fait quand même. Allez, je dis, sort de rage. Dommage, le ballon. J'espère que vous avez trouvé. Et écoutez, les gars, c'est plutôt... Une bonne nouvelle, ce qu'on fait, là. Enfin, non, franchement, on a trop géré. Franchement, on a trop géré, les gars. N'hésitez pas, si vous voulez try le deck. Bon, je le joue quand même le mode YOLO, les gars. Essayez de bien jouer, si vous voulez. Parce que sinon, vous allez galérer sur des match-ups. Mais moi, maintenant, là, si je commence à avoir une trop une bonne connaissance avec ça. Les gars, vous savez que je suis un joueur tornade de base. Je suis un joueur Toto. La Toto is back. Les gars, plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le gros pouce bleu si jamais c'est pas un fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette fin de saison, vous allez tout casser. Plein de bisous. Salut.